Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration aujourd'hui avec la société Pain de Samway. Alors aujourd'hui avec Pain de Samway, je vais vous présenter deux produits en point de croix, deux produits génériques on va dire, parce que j'ai pas le mot, de la société Joy Sunday. Donc j'ai une toile en 11 CT, attendez non, deux toiles en 14 CT pardon, je croyais que j'avais une toile en 11 CT, non non, deux toiles en 14 CT. Et on va passer au visu tout de suite. Allez, on commence par celle-ci. J'ai choisi Black Passion. Donc, c'est une 14CT 31 par 37 en pré-imprimé. Et là, je vais voir la vie en noir. Regardez-moi ça. Ah oui, bah Black Passion prend bien son nom, hein. Allez, on est parti. Hop là. Oh, bah oui, effectivement. Black Passion porte bien son nom. Se sont pas trompés, ça, petite. Oh là 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 là. Oh! J'ai pas envie de regarder. Oh! On regarde pas. Regardez-moi tout ça. Non mais vraiment. Oh là 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 là. Regardez. Tout ça, tout ça, tout ça, c'est noir. Oh! Non mais où est-ce que j'avais la tête? J'ai quand même un point de backstitch à faire. En noir. Où est-ce que je vais avoir le backstitch à faire? Pour faire le contour de la bouche. Ici. Non mais alors là, faudra pas faire cette toile en hiver, hein? Parce que c'est pas possible. Ah non. Ah ouais. Bah écoutez, hein. Noir, c'est noir, hein. Non mais où est-ce que j'avais la tête quand... J'aimais bien l'image. L'image est belle. Mais où est-ce que j'avais la tête, sincèrement? 13 couleurs. Je m'attendais pas à plus. Non mais franchement. Bon, bah écoutez, on commencera par faire le visu de la femme. Et puis bah, on finira par noir, c'est noir. Oh là là, non mais franchement. La toile est surjetée. J'ai qu'un petit peu de bastic, hein, c'est vraiment autour de la bouche. Quand je vous dis que les fonds unis m'attirent, mais là je crois que j'ai battu le record. Non, c'est. J'ai battu le record. Je vous promets, j'ai battu le record. Regardez, j'ai quand même là trois trous remplis pour mon fil noir. Ils en ont mis un petit peu là, mais là ils m'ont réécrit du noir. Hein. Ah oui, trois. Ben oui, quand même. Oh non. Non, je la montre même pas à mon mari celle-là parce qu'il va me dire non mais alors là vraiment t'es parti où là? Regardez. Oh, on a un peu de couleur, oh, un peu de bordeaux, un peu de rouge. Bon bah après on a du noir mais bon voilà. On a du gris, du gris, du gris, du gris. Oh, encore du gris. Non mais vous allez pas me croire, on a encore un gris clair. Mais regardez, on a un peu de bordeaux. Regardez, on a un peu de bordeaux assez clair, un peu foncé, un vieux bordeaux. Oh, un gris. Et là, c'est le noir. Non. Alors, cette femme, passion noire, 6,37 €. Ouais. Mais elle va être belle. Voilà, c'est ça. C'est le rendu qui va être sympa. Dans les tons noirs, un tout petit peu de chouïa de rougeâtre. Parce que ça fait pas. On a l'impression que c'est rouge quand on regarde sur l'image. Mais ça fait plus marron. Voilà. Ça va avoir le mérite d'être là, le neuf. Le neuf, c'est là, tout ce qu'on voit en bleu, là, ça va être ça. Mais franchement, le résultat va être sympa. Ah, j'aime le bloc. J'aime le fond uni. Bah, je suis servie. Là, je suis servie. Alors là, je suis vraiment. Bah ouais. Que voulez-vous? Je pourrais pas demander. Ah oui, je pourrais demander plus uni. Avoir aucun motif et avoir un rectangle de cette taille-là à faire de la même couleur. Ouais. Je serais bien capable de la prendre. Hein, une toile comme ça, ouais. Bon. Hein. Noir, c'est noir. Promis, je la ferai pas en hiver, celle-là. Ah non. Ce sera pas une toile faite en hiver. Oh non, il fait déjà ses nuits assez tôt l'hiver sans pour autant que je fasse du noir. Oh là 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 là. Ça. Voilà, et j'ai choisi un peu plus.
un peu plus gay, hein. Pas que du uni. J'ai choisi les fleurs du mois, un cadre avec la fleur du mois. Alors, je sais pas, j'hésite à commencer là. À, vous savez, à faire au moins ma fleur bah, du mois de juin, après à faire ma fleur du mois de... Tu sais, vous savez, tu savais, vous savez faire une fleur par mois. Alors, je sais pas, peut-être. Je réfléchis parce que j'ai pas mal de petits projets quand même, hein. Je sais pas, je vais voir déjà là comment ça se présente. Sinon, je ferai au moins ma fleur du mois de juin. Si je peux pas faire celle du mois de juin, je ferai celle au mois de juillet. Vous savez, août, septembre, puis ainsi de suite. Puis après, bah, elle sera finie dans un an. Mais bon, vous voyez, mais vraiment faire une fleur par mois. Cette toile, c'est du 14CT, 45 par 46. Voilà, cette toile-là, je l'ai pris dans cet objectif-là. Attendez, j'attrape le patron en même temps et ça, il ne faut pas. Voilà. Bon, en plus, regardez, en plus, on peut les faire. Après, on peut les faire. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Ah, ok, c'est bien ce qu'ils ont fait. J'allais dire pourquoi j'ai deux carrés, deux tableaux avec les couleurs. Mais en fait, c'est les mêmes références, sauf que sur le tableau de gauche, ils nous ont mis les références couleurs, les symboles et les... Les références couleurs sont les mêmes, mais les symboles que l'on a sur le patron et sur le tableau de droite, les symboles que l'on a sur la toile. Bah franchement, c'est top ça. Ça, franchement, c'est top. Pareil pour le backstitch, mais alors le backstitch... J'ai envie de dire qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, c'est bien, mais qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, c'est pas très grave dans le sens où bah, le backstitch, on est obligé de regarder le patron puisque ça se fait en dernier. Donc, peu m'importe. Peu m'importe. Non, je crois que je vais, je crois que je vais faire là. Ça m'a pas l'air très confetti tout ça. Alors, attendez que je la mette à l'endroit, ça peut bien. Voilà, voyez. On a tous les mois, il faudra écrire en backstitch les mois. Vous voyez? Mais c'est pas fait. Donc là, je comprends pas pourquoi ils nous ont mis. Parce qu'il y a même autour des fleurs, on va avoir du backstitch à faire autour des fleurs. Par exemple, sur celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, vous voyez. Et ils nous l'ont pas mis. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faudrait que je fasse... Celle-ci. Ok. Bah, le contour plus ça. Ouais, franchement, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Je réfléchis, mais je pense que, ouais, je pense que ça va se faire juin, juillet. Ouais, une fleur par mois, ça peut être faisable. Donc, le patron. Ah ouais, le patron, il est immense. Alors, attendez. Ok. Donc, on a la fleur. En fait, quasiment. Hein, quasiment une fleur égale... Une feuille, se regarder, on a janvier et là on va avoir un petit bout de celle d'avril. Regardez, hop, février, mars, voyez, hop, avril, on a la fin ici. Mais on retrouve la fin de la fleur ici. Ah, par contre, poursuivre, c'est pas très évident tout ça. Juin. Et après, on a la feuille où, la fin de la feuille. Ici? Bah non, auguste. Auguste, juin. On a quoi en dessous? Septembre. Juin, ok. Et le haut de la feuille, il est où? Il est où le haut de la feuille? La fleur? Il se trouve où? À côté de mai. Mai. En dessous de mars. Ah, ici. D'accord. Bah, moi, je crois que je vais me faire des petits papiers pour marquer que c'est le haut de la fleur de juin, par exemple. Parce que c'est pas... Alors là, sur ce coup-là, par contre, je dirais que le patron, il n'est pas bien organisé. Mais ce n'est que mon avis personnel. Donc, regardez, là, il va falloir que je suive mon backstitch là. Alors, quand je vais faire la fleur, peu m'importe, j'ai pas besoin du patron. Mais pour faire mon backstitch, j'ai forcément besoin du patron. Donc, pour m'y retrouver, il va vraiment falloir que je repère le début de la fleur. Et on a dit que la fleur était au-dessus de mars. Vous voyez, il va falloir que je revienne là. Bon, on verra. Il va falloir que je revienne ici. Hop. Bah, écoutez, on a un bon patron comme... Enfin,
qui, à mon goût, pas organisé correctement, mais voilà, qui a le mérite d'être ici. Tout le cadre orange, je pense que je le ferai petit à petit, hein. Je voulais vous dire le prix de la toile tout de suite. Les fleurs du mois, 9,12 €. Je le ferai petit à petit, hein. Peut-être que vous voyez, là, c'est la fleur de juin, c'est ça. Peut-être que je ferai l'encadrement comme ça ici. Ou, je sais pas, je vais voir. On verra. Pour l'instant, si j'arrive à faire ce qu'on voit en vert et ma fleur du juin là, sachant. Ouais, ça va être. Tant pis, sinon je ferai celle de juillet. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Donc on a les deux réglettes et regardez les couleurs. Je vous ai pas dit, la toile est surjetée. Les symboles, c'est comme d'habitude, c'est tip top. On va les regarder de près. Et puis les aiguilles sont agrafées toujours en sachet zippé au nombre de deux. Regardez les couleurs. On a de belles couleurs. Franchement, j'adore. J'adore. Mais j'adore quand même mon autre toile, hein. Ça, il n'y a pas photo, hein. J'adore mes deux produits. Mais là, c'est très coloré. C'est. Ah, je suis passée du kit au double. Je suis passée de tout en noir à très coloré. Vous avez vu? Je vous fais un unboxing mitigé. Noir, noir et coloré. Vous avez vu? On n'a pas de noir ici. J'ai pas de gris. Ah oui, j'en ai un petit là, un gris foncé. Mais c'est tout. C'est bien. Je suis dans la moyenne. J'ai tout sur une toile et ce que j'ai sur une toile, je l'ai pas sur l'autre. Voilà. J'ai bien choisi. J'ai bien choisi. Et ici, donc on a le backstitch. Et ici, ça va être pour faire notre backstitch, je crois. Attendez. Mon tableau des couleurs. Bah non, oui, 31 couleurs. 31 couleurs à faire en croix complète. Et nous avons 4 couleurs en plus pour faire notre backstitch. Donc là, pour mes croix complètes, ça s'arrête ici au blanc 3865. Et à partir du 32, 33, 34, 35, c'est pour faire notre backstitch. Bah franchement, c'est bien aussi. J'aime bien. Ça va être de sympa couleur. De chouette couleur. Je crois que je reste perturbée par tout mon noir, moi. Voilà. Mais ouais, mais moi j'aime bien les trucs comme ça, donc forcément. Et les aiguilles, elles sont ici. Moi j'aime bien les trucs comme ça, donc forcément, en plus ça m'attire. Mais alors là, ça m'a attirée au plus haut point là. Je la montre même pas. Je vais être contente de montrer celle-là, mais celle-là, je la montre à mon mari. Il va me dire, mais ça va pas, toi. T'en gagnes pas avec tes fonds unis. T'es servie. Là, je suis servie. Là, effectivement, je suis très servie. Ouais. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Hop. Je range. Je vous ai dit, on allait regarder les symboles de près. Regardez. Là, par exemple, si je veux faire ma fleur de juin. Regardez, les symboles, ils sont top. On les voit, c'est nickel. Vous voyez? Puis pour si je fais pas celle de juin et que j'attaque directement en juillet. Bon, c'est un peu plus confetti, mais voilà quoi, c'est rien. Vous avez vu, franchement, ils sont top les symboles. Non, franchement, j'adore mes produits. Merci, Pinsomware. Ouais. Attendez, j'arrive pas à replier. Ah, voilà. Ah non, moi je vais m'amuser encore et encore, comme à chaque fois. Là par contre, je réfléchis. Est-ce que je la commence, ma toile? Est-ce que j'attends? Est-ce que je la commence là, vraiment, juin, juillet? Ou est-ce que je la commence pas plus tard? Ça demande réflexion. Une fleur, ça va me prendre 3 jours. Ça dépend comment je suis dessus, mais ça va me prendre 3 jours grand max, je pense. Pour faire la fleur, l'encadrement et le backstitch. Pour vraiment faire tout ça, pas pour venir faire le contour. Donc je sais pas, je vais voir parce que j'ai quand même pas mal de boulot. Allez, on repasse en revue? On repasse en revue. On a notre belle toile noire, fond uni. ah, vous aimez le noir? Vous allez, moi j'ai du noir, voilà. Non, franchement, elle est belle. 14,31 € par 37 au prix de 6,37 €. N'oubliez pas, passion noire.
Et je vous mettrai, comme d'habitude, les liens de la boutique et les liens des produits en barre d'infos. Et nous avons notre belle toile, les fleurs du mois. Alors, je suis même pas sûre que ce soit les mêmes. C'est qui fait les fleurs du mois? Edith, sur son groupe, elle partage les fleurs du mois. Je suis même pas sûre que ce soit les mêmes. Ah, j'irai regarder ça. J'irai regarder. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes. Au prix de 9,12€, c'est une 14 CT 45 par 46, 50, 45 par 56. Et en plus, franchement, c'est top parce que si vous voulez vous avez peu de temps ou quoi que ce soit et que vous n'êtes pas pressé de finir la toile, vous pouvez réellement venir faire qu'une fleur par mois. La fleur du mois, par exemple. Moi, c'est dans l'optique que je l'ai pris. Après, si je veux en faire plus ou avancer un peu plus ma toile, vous voyez, rien ne m'en empêche. Mais ouais, je voulais la commencer là. Je m'étais dit, dès que je la reçois, je la commence. Mais j'avais pas encore tous mes objectifs d'atteint pour mes toiles d'été. Donc, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Moi, écoutez, je remercie énormément la société Pinsomway pour cette collaboration. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!